Bonjour, chers collègues, chers internautes. Bienvenue dans cette vidéo-là qui porte sur la production décrite au CM1 sur le texte injonctif « Comment préparer l'omelette ?». Donc ici, le sujet c'est « Comment préparer l'omelette ?». Ici, on vous présente donc des images qui vont accompagner l'élève. Parce que dans ces images-là, l'élève va voir le matériel, il va voir les ingrédients. En plus de ça aussi, l'élève verra donc les étapes à suivre, donc du début à la fin de la préparation de l'omelette. Donc ici, il y a tous les ingrédients dans les images. Il y a aussi tout le matériel. Voilà. Donc ici, il y a la préparation commence par casser les œufs, donc jusque là. Voilà. Donc ici le plat est prêt à être servi. Donc c'est ça. L'élève va suivre ces actions-là de A à Z. Donc pour vous montrer l'importance de l'image dans certains textes qu'on apprend au primaire. Et souvent on n'a pas les images, mais on donne le sujet sous forme d'écrit littéraire, et là l'élève doit réfléchir lui-même. Et parfois il y a dans certains villages ou dans certaines localités où les élèves on peut avoir des élèves qui n'ont jamais en tout cas eu à faire cette préparation là et dans ce cas normalement le professeur ou l'enseignant doit procéder à une préparation d'omelette en classe avec un compagnon de ses élèves. Et si une fois il prépare l'omelette en classe, les élèves vont maintenant saisir, donc auront en tout cas une idée de comment préparer l'omelette. Donc moi j'ai eu à le faire en classe avec mes élèves, on a préparé l'omelette en classe. Et après avoir terminé, on a fait le texte. Mais à défaut de ça, normalement, le professeur ou l'enseignant doit avoir au moins ces images-là qui relatent en tout cas la préparation de l'omelette de A à Z. Voilà. Merci beaucoup. Abonnez à la chaîne et revenez voir les autres vidéos. Merci beaucoup.